à tous, c'est l'équipe Plus de 8. On se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Review Unboxing Warhammer 40 000 Noël 2016. Donc dans cette vidéo, on va se concentrer sur ce qu'on a eu à Noël pour Warhammer 40 000, parce que vous avez déjà eu une petite vidéo sur le Hobbit, il n'y avait pas grand chose sur le Hobbit, et comme ça vous les dissociez les deux univers, parce que c'est pas forcément non plus le même public. Donc comme vous le savez, on s'est reçu Warhammer 40 000 cet été, on fait avec la boîte Shield of Baal Distorm. Donc vous l'avez dit, les vidéos sur le jeu, la peinture vont pas arriver tout de suite parce qu'on a encore pas mal de trucs à faire et il faut qu'on se mette au point sur les règles. Mais là on a renforcé nos armées, surtout Philly, moi je vais la renforcer un peu plus tard. Et on voulait donc vous montrer tout ce qu'on a eu parce que ça valait le coup. Donc je vais d'abord commencer par vous montrer ce que j'ai eu. J'ai eu une boîte pour les Monamen Blood Angels. Sur les 4 présentes ici. L'escouade tactique. Donc on va se concentrer sur cette boîte. Alors, je ne pense rien apprendre à ceux qui sont dans Warhammer 40 000, mais pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient voir un petit peu, l'escouade tactique dans un chapitre Space Marine, donc c'est vraiment indispensable. Hein. Il en faut plusieurs même dans une armée. Donc là c'est ma première. Ça fait partie des troupes. Presque les seules troupes du chapitre avec les scouts. Donc c'est composé de 10 figurines. Les scouts tactiques Blood Angels, c'est un peu particulière, c'est pas la même que les Space Marines, parce qu'ils ont fait en sorte qu'il y ait des artefacts, des calices de sang, donc ici des gouttes de sang un peu partout sur les figurines, des auréoles, voilà, pour rendre les squads vraiment propres au chapitre. Donc il y a 10 figurines, un sergent et une possibilité aussi d'avoir un étendard et vraiment une multitude d'armes. C'est vraiment impressionnant. Donc je vais pas vous monter les figurines parce que c'est pas comme le Hobbit, hein, c'est vraiment compliqué, mais je vais quand même... comme on vous l'a dit, on préfère prendre notre temps pour tout ce qui est assemblage et peinture. Je vais quand même vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Donc là on voit un petit peu les figurines, donc ils sont quand même très jolis. C'est en plastique avec les peintures, etc. Donc ça, vous l'avez l'habitude. Donc, alors on va un peu descendre la boîte parce que vous la voyez mal. J'ai acquis cette boîte donc sur Game Workshop et elle coûte 33€, donc c'est assez raisonnable. Donc là, une petite notice de montage. Ouais, vraiment c'est assez fourni, hein. Si vous faites que du Hobbit et des anneaux comme ce qu'on a fait, ça vous fait vraiment un gros choc. Il y a énormément de bras, tout est compatible entre Space Marine. Une première grappe de jambes, des polières et quelques armes, mais assez peu. Là, une deuxième grappe avec vraiment énormément d'armes. Donc vous avez des bolters, des pistolets bolters, des pistolets infernaux, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Il y a des pistolets gravitons, il me semble. Enfin, il y a vraiment une multitude de choses. Là, on a les bras et les épaulières. Les bras surtout, plutôt, excusez-moi. Là, on a les sacs à dos, les corps et les têtes. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de têtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 17. Donc vous avez 17 têtes et vous avez fait un 10 figurines. Donc vraiment, chaque escouade tactique est unique, même si vous achetez le même kit. Ça, c'est ça qui est vraiment top. Vous avez vraiment les corps, les pactages sont très très détaillés. Vous avez des gouttes de sang un peu partout, des petites cordelettes. Pour ça qu'ils ont fait en sorte, là vous avez un calice de sang, ils ont fait en sorte que ce soit une escouade vraiment unique. Alors je pense que je vais prendre mon temps, je sais même pas si je vais la peindre maintenant, mais y aura sûrement un tuto peinture sur cette escouade tactique pour vous montrer comment j'ai fait. Surtout que j'ai pas mal de White Dwarf ou quoi qui me donne des petits conseils ou quoi. Alors je m'inspirerai de pas mal de trucs et je vais essayer de vous faire un rendu sympa que je vous montrerai en vidéo. Donc c'est voilà, c'était mon premier achat hors Shield of Baal pour mes Blood Angels. On va enchaîner donc avec moi qui ai eu le Noël le plus garni niveau Warhammer 40 000, puisqu'en fait... toutes les boîtes ici ont été achetées en occasion. J'ai rien acheté sur Game Workshop, contrairement donc à Killy qui a acheté sa boîte sur Game Workshop. Donc les deux grosses boîtes, je les ai eues donc sur Le Bon Coin, et la plus petite, je l'ai achetée sur eBay. Voilà, ça m'a permis d'économiser. Ben en fait, je vais vous dire le montant. J'ai eu les deux grosses boîtes pour 72,50€, frais de port inclus. Alors sur Game Workshop, c'est 65€ celle-là, plus 45 celle-là. Donc j'ai eu 72,50€ au lieu de 110€. Et j'ai eu celle-ci à 18€ au lieu de 23€. Frais de port inclus également. Donc vous pouvez voir que là, les boîtes sont totalement neuves. Sauf celle-ci qui est un petit peu abîmée. Et vous pouvez penser qu'il n'y a pas de blister. Mais en fait, les Start Collecting n'ont pas de blister de base. Donc en fait, honnêtement, c'est vraiment totalement neuf. Pas de film plastique. Et je m'étais assuré, pour le Start Collecting, les autres, non, pas besoin parce que c'est sous blister. Mais je m'étais assuré qu'il y avait toutes les grappes et que tout était totalement neuf et en place. Alors on se retrouve tout de suite pour commencer
par la plus petite boîte, les Termagantes. Donc les Termagantes sont vraiment l'unité de base de l'armée tyrannique, puisqu'ils vont vous permettre de constituer l'effet de masse avec beaucoup de figurines qui vont arriver sur l'ennemi. Ce sont des figurines qui tirent avec donc un écorcheur assaut 1. Donc ça peut être très utile au tir, même si c'est pas redoutable. Honnêtement, voilà, ce sont des figurines qui sont assez polyvalentes, peu chères en points, qui vont pouvoir aussi bien enliser des grosses figurines que détruire des petites unités. C'est très polyvalent, c'est pour ça que je les ai achetées au début, puisque je me suis dit que j'y trouverais toujours une utilité, une petite boîte. Donc on va commencer à ouvrir, donc on va enlever le film plastique. Donc je crois qu'il y a une dizaine de figurines dans la boîte, je sais pas exactement. Voilà, on va regarder derrière. Ça va être indiqué. Alors, donc on enlève le film. Comme vous pouvez voir, l'occasion, c'est comme si c'était du neuf. Hein. On montre derrière la boîte. Donc on voit, il y en a 12. Voilà, 12. C'est ce que je me disais. Donc, c'est 12 Termagantes pour 18€. Ça reste accessible. On la va ouvrir. Donc, dans la boîte, il y a pas mal de choses. On a tout d'abord les socles. Hein. C'est des petits socles d'infanterie basiques, comme le Hobbit. On a ensuite ici donc des armes, on a du point épineux, également je crois, si je dis pas de bêtises, ça doit être du dévoreur ou peut-être un... Ouais, ça doit être du dévoreur. C'est un peu comme les scouts tactiques, c'est souvent vous avez une figurine parmi les saints tyrannides qui va pouvoir avoir une arme spéciale. Voilà. Donc alors aussi, du coup c'est peut-être un fusil épineux, c'est vrai qu'il faudra que je vérifie, c'est... mais je l'ai montré sûrement pas comme ça, je pense. C'est pas chaque figurine qui pourra avoir cette arme spéciale. Donc ensuite, on continue avec la même grappe d'armes. En double. Ensuite, également, là, il y en a encore deux identiques, avec vraiment, il y a beaucoup d'armes différentes. Et vu qu'ils sont 12, c'est normal. On continue, là, on voit qu'il y a quelques premiers corps avec donc les armes de base, ici, que vous voyez. Les écorcheurs. Les écorcheurs. On a des griffes, etc. Voilà, si on retourne la grappe, on voit qu'ici, il y a des paires de têtes, également. Et c'est la même. Et après, donc, on a... une fois de plus, deux grappes identiques pour pouvoir faire les 12, avec les 12 corps au total. On a également un socle de cavalerie, si on peut parler en Hobbit, ça, qui va nous permettre donc de monter une nuée de vorace, puisque comme indiqué dans la boîte, on peut la monter, parce que voilà, ils disent, cette figurine contient 12 termagants tyrannides et une nuée de vorace. On se retrouve tout de suite pour la boîte suivante. Maintenant, on va passer à l'ouverture donc, de la deuxième boîte, qui est une boîte beaucoup plus grosse, puisque ça va être soit on va pouvoir soit monter un Tyrannophex, soit un Tervigon. Donc on va voir par la suite quelles sont les pièces qu'il y a en double, etc. Donc je verrai sur quelle figurine je monte, mais je pense plutôt faire le Tervigon. Vous allez voir énormément de rabiots, hein. Et du coup énormément de grappes, c'est pour ça que pour une seule figurine, on a une boîte aussi imposante. On enlève le papier plastique. Donc là, c'est un Tyrannophex sur la boîte. Donc ça avant. S'ouvre de cette manière. Et on arrive aux grappes qui sont assez imposantes. Ce sont des grosses grappes. Là, on voit une arme de Tyrannophex à gauche avec d'autres éléments organiques qui doivent être des parties du corps et d'autres armes. Donc ça, c'est vrai que je ne suis pas encore très calé. Je n'ai pas encore vraiment très poussé l'analyse. Ensuite, là, on passe à une grosse grappe où il y a... C'est de la carapace en chitine. Voilà, il y a beaucoup de carapace. Avec ici, c'est les deux parties de la membrane un peu plasmique qui est en dessous où il y a les bébés termagantes pour le Tervigon. Et lorsqu'on continue, c'est étrange, il n'y a que trois grappes, mais bon, elles prennent de la place. Il y a donc une grappe avec toutes les pattes, les pinces broyantes. Voilà, ici, vous avez... une tête un petit peu stylisée, je sais pas si vous la voyez, voilà. Il y a deux têtes, non, il y a trois, quatre têtes. Ouais, il y a pas mal de têtes. Là, vous avez les quatre têtes. Et on arrive après, à la fin, avec le socle qui est quand même assez gros, mais bon, ça reste comme un socle, je crois que c'est comme un socle de Carnifex, si je dis pas de bêtises, où c'est un poil plus gros. Avec aussi, quand même, un manuel qui est assez complet, hein, c'est la taille d'un vrai livre. Avec, on commence par, je crois que c'est pour monter le... pour monter la queue, donc ça a l'air commun. Et après, à mon avis, c'est comme pour les autres figurines. C'est le Tyrannophex. Voilà, non, ça, ouais, on passe sur le Tervigon là, non. Là, parce que là, il y a la poche. Bon, là, il faudra creuser.
Mais en gros, ça sera ça. On se retrouve tout de suite pour la dernière boîte. On termine cette vidéo par l'ouverture du Start Collecting, qui comporte 14 figurines, dont un tyran des ruches, 3 guerriers tyrannides et 10 gargouilles. Donc, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai acheté après avoir déballé. Pendant ce temps, je laisse Killy un peu vous expliquer le principe du Start Collecting. Donc, Start Collecting, c'est des boîtes, pour ceux qui ne le savent pas, il y en a Warhammer 40 000 et Age of Sigmar, qui regroupent des figurines assez emblématiques d'une armée. Contrairement au lot du Hobbit, il y a une ristourne assez importante dessus, il y a souvent des règles spéciales, des choses intéressantes dans le Start Collecting, qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent leur armée par cela. Il y a un Start Collecting de presque toutes les armées. Donc, le bonus dont parle Killy, c'est que dans cette armée, il y a donc une formation disponible avec en fait toutes les figurines de ça, puisque la formation elle comprend un tyran des ruches, 3 guerriers tyrannides et 10 gargouilles. Il n'y a pas d'option imposée, donc c'est ça qui est bien, c'est que je vais pouvoir, quand j'en aurai l'envie, monter mes figurines avec les options que je veux, et elles pourront marcher dans la formation. Et la formation, donc, elle donne une grande mobilité aux gargouilles qui peuvent quitter la table et revenir en frappe en profondeur sans dévier en plus si elles sont à 6 pouces ou moins d'un guerrier tyrannide, et elles peuvent faire ce move si elles sont à 18 pouces du tyran des ruches. Donc on va ouvrir maintenant en vous montrant les grappes. Ici c'est pour le tyran des ruches ou maître des essaims, on peut le monter comme ça aussi. Les deux ailes. Il peut être ailé comme vous voyez avec les ailes. Ensuite on continue. Il y avait ses armes sur la grappe précédente avec ses épées d'os. Là, on continue avec des armes et le reste du corps. On voit sa garde en chitine, ses épées d'os en haut par exemple. En continuant, là on tombe sur les grappes de guerriers tyrannides, les mêmes que lorsqu'on avait. Je vais vous mettre avec un fond comme ça, vous verrez mieux. Les mêmes qu'on avait lors de la boîte Deadstorm, parce que c'est des grappes de base. Excusez-nous pour le bruit. Lorsqu'on continue, on a une grappe plus petite pour le troisième guerrier tyrannide. Ce sont surtout des armes en fait. Voilà. Il y a pas mal de griffes, etc. Le corps doit être sur l'autre grappe, mais bon, ça revient au même. Et ensuite, les trois dernières grappes. Donc c'est cette grappe-ci pour les gargouilles. Donc, on a des têtes et des ailes, surtout. Et avec, accompagné de la plus grande. Donc c'est pas mal de grappes identiques, hein. Il y a pas mal de choses dessus. Voilà, avec aussi les corps. Donc à droite, par exemple, voilà. On continue, donc là il y a un petit conseil, donc qu'est-ce qu'on pourrait acheter pour continuer. Donc, bien sûr le codex et d'autres figurines. Derrière, on a la formation avec les unités qu'il faut et la règle spéciale en différentes langues, donc je vous l'ai expliqué auparavant. Et ensuite on a les modes d'emploi, donc ça c'est les gargouilles, c'est comme les petits génovores, c'est pas très compliqué, donc c'est juste une petite feuille volante. On a ensuite le mode d'emploi des guerriers tyrannides. Et excusez-nous, je l'ai enlevé en fait parce que je l'ai feuilleté tout à l'heure. C'est le mode d'emploi qui est ici pour le maître des essaims et le tyran des ruches. Donc j'ai pas fini de feuilleter, c'est pour ça que je sais pas trop comment il est présenté. Vous voyez à gauche toutes les possibilités qu'on peut faire. C'est quand même très fourni, donc faudra que je lise ça en étant bien concentré pour voir toutes les possibilités, etc. C'est un peu le leader, ceux qui ne savent pas, de l'armée tyrannide, le chef, c'est celui qui assure la connexion avec l'esprit ruche. Voilà, le maître des essaims, c'est un personnage nommé, alors que les tyrans des ruches, c'est en fait comme une espèce de grand général, mais pas nommé. Donc là, vous voyez les socles. Hein, les trois socles de guerriers. Le socle du tyran. Un peu plus gros. Et là, au fond, donc je ne vais pas les sortir. Vous voyez les 10 socles des volants avec les fameuses tiges pour les accrocher. Comme les socles des aigles, mais bien sûr, beaucoup plus petits, c'est les socles de taille d'infanterie. En tout cas, on espère donc que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a bien renseigné sur nos intentions, sur nos armées respectives. On continuera à vous faire des petites présentations comme ça, surtout que Killy n'a pas eu grand-chose à vous montrer aujourd'hui. Donc les vidéos, on vous en reparlera, mais sur les parties, les campagnes, on partira, arriveront, je pense, d'ici cet été, ou peut-être les premières. Bon, en tout cas, on fera en sorte que ce soit des vidéos de qualité. On espère que cette émission vous a plu. On vous dit merci à vous tous.